SNCF. Ça y est, petite réclamation, mais je sais pas à qui m'adresser. Parce que c'est pas Diego, le barista de la voiture 4, qui gère les départs, les retards et tout le tintouin. Là. Lui, il s'occupe des crackers et il est débordé déjà. Là, tu fais réchauffer les cassoulets, les baristas. Bon, allez, c'est bon. J'avais un billet que j'échange pour partir plus tôt. Et en arrivant à la gare, je me rends compte que sur le billet, il y a ni voiture, ni place. On me dit, allez vous installer en voiture bar avec Diego. Il a des mini saucissons, des pelfort blanches, ça va vous calmer, vous allez prendre l'apéro. 27 euros l'apéro et la bière, elle est tiède. On se retrouve là-dedans à être une quarantaine. 40 personnes dans le wagon bar d'un train, c'est la Capulco 2h du matin, un mec qui vient de crier tournez de chaud, c'est invivable. Et tous ces gens sont comme moi, ils ont un ticket mais pas de place. T'as tous les escaliers du train, ils sont bondés. Il y en a deux, ils font un backgammon dans les chiottes voiture 4. Donc je vais parler aux gens dans les bureaux là. Oh, les cravateux, boule de billard, tête de mouche. En fait, quand le train il est plein, on arrête de mettre en vente des places. 134 euros pour voyager sur une marche. Ton cul, c'est un nid de fourmis. C'est non. Quand tu réserves un hôtel, tu dors dans l'ascenseur ou sur le comptoir à la réception. Puis alors 3h30 de retard. 3h30, c'est pas un retard, c'est une escale. Alors je suis d'accord. Si le train il s'arrête, les portes s'ouvrent, on tombe dans un hall avec des Toblerone d'un mètre de long, des magnums de Jack Daniels avec le petit robinet au bout offert et des cartouches de Camel, oui. Parce que 3h30 assis sur un fauteuil de bureau avec la tablette enfoncée dans la rotule, c'est non. T'arrives, ils te disent allez sur internet remplir le formulaire, c'est à moi de bosser en plus. C'est toi qui te trompes, c'est moi qui bosse. Et t'auras 25% ou 50% de remboursement, on sait pas, mais oh, tu me payes normalement pour voyager. Quand il arrive tout ça, tu me payes.